Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Resident Evil 4 Remake. J'avais rien à faire avec toi, hein. Non. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh ben, on avait découvert les régénérateurs. Oh, il y a un œuf là. On avait découvert les régénérateurs. Et on avait vu qu'ils étaient plus casse-couilles qu'à l'époque. Mais on avait récupéré la super lunette thermique. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour les battre. Donc, du coup, la petite. On vérifie la carte. Et du coup, faut passer tout droit. C'est là. Donc, on n'avait pas trouvé la clé à molette la dernière fois. Souvenez-vous. On n'avait pas trouvé la clé à molette. Ce qui était bizarre parce que elle était indispensable pour continuer le jeu. Et là, genre, je suis en train de regarder si elle est pas là. Mais. Ah! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Poudre noire. Oh, c'est toujours ça de prier. Oh. Putain, j'ai raté des choses en fait. J'ai raté des choses. Quel débile je fais. Mais là aussi j'ai raté un truc. Oh, des fois je les vois pas. Je les vois pas les coffres des fois. Alors, ici, j'ai raté d'autres choses? Non, non. Pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression que j'ai raté des choses ici. Hein. À mon avis, la wrench doit être quelque part par là-bas. Enfin, la wrench. La clé à molette, pardon. Ah! Tiens, pareil, hein, il y a un truc là. Ah non, c'était pour passer par là. Non, c'était pour enjamber. Ok. Attends 2 secondes, Léon. On va y arriver. Et donc là, j'ai pas. Ok. Oh, mais attends, mais à tout hasard. Je pense que c'est pas ça, mais. C'est ça. Voilà. Au revoir. Voilà, c'est beaucoup plus facile maintenant. Ah oui, la wrench, il l'a sur lui. On la voit. Bah oui. Si t'as pas la lunette, à mon avis, tu peux pas la voir. Ok, bah voilà. Vous voyez qu'une fois que tu tires sur. Clé à molette, merci. Une fois que tu tires sur les parasites, c'est très facile de les battre en fait, hein, parce qu'avec la thermique, tu les vois. Tu les vois les parasites. Donc du coup, tu peux plus facilement tirer dessus. C'est beaucoup mieux foutu. Ok, allez, vas-y. Insère-moi ça. Processing. Oh, c'était sûr. Allez, que l'action commence. Tu veux quoi toi? Hop. Non merde, casse toi. Merde, j'ai dérangé un régénérateur. Oh putain, je suis con. Oh attends, je m'en occupais. Non, casse toi. C'est chaud. Oh non, puis il y a l'autre qui a sorti son parasite, super. Merde. Couteau. Il me reste encore des couteaux de cuisine. Mais je crois que j'avais réparé à la fin du dernier épisode mon couteau. Et demain. Un parasite, c'est bon. Ok, ensuite. Fusil à pompe. Toi dégage. Attends, peut-être s'occuper du régénérateur en premier en fait. Ah, il y en a deux. On est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Utilise ça. Ensuite, attends, c'est quoi? Non mais oh. Merde, je suis un peu con. J'ai pas cliqué sur les bons trucs. Et je me suis pris ma grenade. Tiens, prends-toi ça. Merde, il s'enlève. J'ai cliqué trop tard sur le bouton du couteau. J'ai de quoi me soigner. Ouais, un œuf brun, tiens. Ça soigne bien, ça. Tellement pas. Bon, bah, le gaz basse. C'est déjà mieux. Ah, casse-toi. Non, mais oh. Respecte-moi un peu. Lui à mes pieds, bah d'accord. Putain.
Ok, j'ai plus de couteau de cuisine. T'es vraiment une merde, toi. Relève-toi, vas-y, relève-toi. Voilà. C'est la sauce, hein. C'est vraiment la sauce. Ça appelle le début de l'épisode et on est déjà dans la merde. On a déjà deux régénérateurs sous le cul, plus plein de mecs de l'île, enfin de méchants de base, de zombies de base. Enfin, bref, t'as compris. Putain, mais foutez-moi la paix! Mais mourrez un moment, non? Toi, dégage! Putain, mais t'es vraiment une merde. Meurs! Toi. T'es mort. Allez. Ça dégage. Putain, c'était lourd. Oh, nickel. Comme ça, bon, on va terminer. Attends, il a déjà. Ouais, il a. Lui, l'autre, il a déjà une Alexandrite. Donc, du coup, on va terminer. Voilà, tu vaux 36 400 pesetas. C'est pas mal, c'est même très très bien. Alors, puis-je, si possible. Bah non, c'est pas possible. Par contre, fabriquer. Ouais, mais bon. C'est pour la science. On va en avoir besoin, donc allez. Peut-être. Ah bah allez. Et après, dès que j'ai des munitions, enfin des nouveaux de la poudre noire et une ferraille petite, c'est des munitions de pistolet que je fabrique. Parce que je suis dans la merde niveau munitions de pistolet. Ensuite, rechargeons toutes nos armes. Voilà. Ouais, j'ai trop utilisé de munitions de pistolet, je pense. J'aurais peut-être dû prioriser les grenades. Tous les paquets et ah bah j'ai pas récupéré la carte. Tac, nickel, niveau 3. Y'a personne qui va venir, hein. Je le sens que si, donc bon, parlons pas trop vite. On est bon. Du coup, je l'ai gardé ou pas? Ouais, donc elle va encore me servir, je pense. Ok. Bon bah avançons. Oh nickel. Ça gère, c'est carré. N'empêche, je remarque un truc. Il y a tout le monde, tous les youtubeurs qui ont déjà terminé le jeu. Et moi je suis encore l'un des seuls à pas l'avoir terminé. Parce que moi le let's play il a été retardé, j'ai eu les examens, j'ai eu tout en fait. Faut aller où? Ah là. Ok, et là je peux pas y aller. On reviendra après, je pense, pour ici. Ah oui, d'accord, c'est. Ok, d'abord on sauve Ashley et après on voit. Ashley. Shit. You're gonna be okay. Ah, c'est déjà la fin du chapitre? Putain, c'était rapide. Ok, alors, tu mets un tab. Ok, ça paraît bien, c'est nickel. On sauvegarde un coup, on continue, bien évidemment. On a même pas 10 minutes de vidéo, je suis sûr.
Mais qu'est-ce que nous réserve la suite? Je pense qu'on a bientôt terminé le jeu d'ailleurs. Brought the medicine just in time. Can you stand? Where's Luis? He was worried about you. Until the end. Come on. We don't have much time. Let's get rid of these things. For Luis. Ok, on est bon. Qui c'est qui va me parler maintenant? Ah bah c'est Eda. Ok. Il y a un lab où on peut remover les parasites. J'ai eu un crazy hunch que tu sais où c'est. Les facilités les plus importantes sont housées dans leur sanctuaire au top de la montagne. C'est là où je vais regarder. Eda, l'encyclopédie. Happy to help. Now you owe me. Évidemment, à charge de revanche. Bon, c'est bon, je peux récupérer mes loot maintenant. Chapitre 14. Putain, mais il y avait autant de chapitres à l'époque? Putain, je m'en souviens plus. Tac. Hop. Minerai de cristal, je prends. Alors là, si vous voulez lire. Parce que moi, j'ai la flemme de lire en fait. Il y a trop de documents. Je sais pas, à l'époque je lisais, mais là j'ai la flemme de lire, c'est un truc de fou. Bon, alors, par contre, je suppose qu'il faut partir par là. You got it. Duh. I need you to open it from the other side. Je pense qu'elle a compris, elle est peut-être blonde, mais elle est pas si conne que ça. Par contre, dépêche-toi. Merci, gentil Ashley. Bon boulot. Ou bon boule si tu préfères, je sais pas, c'est comme tu veux. Oh, des médaillons. Tac. Pourrais-je avoir une ferraille bleue s'il vous plaît? Parce que je suis bien gentil, mais. Il en vend peut-être? Bonjour. Je suis le vendeur. Alors. Là, on peut ouvrir. Oh, c'est carré, ça me donne des munitions. Ils sont gentils. Ils sont adorables. C'est adorable. Et il y a un stand de tir. Très bien. Bon, t'endors pas, on est là. Alors, je te vends déjà ça. Ça aussi. Alors, petite clé. Non, bah non, ça peut servir qu'une seule fois. Là, je pense qu'on en a encore besoin. La clé à molette, je pense qu'on en a encore besoin. Et objet cubique, bah je pense qu'on en a encore besoin. Mais même si c'était dans le château là-bas, ce truc-là. Mais bref. Allez. Alors, déjà, modifié. J'ai même pas besoin de le réparer, je l'ai même pas utilisé. C'est carré, 91 000. Oh, nickel. Tu vends ça, tu vends ça. Ok. Après, tu vends le fusil d'assaut. Ouais, c'est pas mal. CQBR. Ok, lance-carreau, j'en ai rien à foutre. Le striker, c'est un nouveau fusil à pompe, ça. Mais il est bien, hein. J'ai réfléchi. Si je vends. Le fusil anti-émeute. 213 000. Je me tâte parce que je l'ai jamais essayé, même à la version originale, j'ai jamais essayé le striker. Je me dis, j'ai envie de modifier un petit peu. Puissance 9, et celui-là, je suis à combien? Ah, mais merde, il faudrait que je l'examine. Le fusil anti-émeute, puissance 9. Examiné. Puissance 11,2, alors qu'il est amélioré à 4. Modifier, enfin bon, acheter du coup. Fusil anti striker. Capacité 12. 12 de base. Rechargement 0,25. Cadence. Bon, allez, vous savez quoi, les amis? Allez.
Voilà, modifié, non, acheté le Striker. Le Striker, on l'achète. Voilà. Comme ça on gagne des balles en même temps. Après on pourra le racheter aussi. Vigilante émeute mais puissance 6,40 de base. Oui donc il est vraiment... Bon par contre c'est la priorité à améliorer. Hop. En plus j'ai de la thune. Voilà. Et j'ai encore 121 000. Soit j'améliore ça. Mais bon, je pourrais le vendre celui-là parce que j'ai déjà le TMP et... Il prend quoi comme munition? Très performant qu'il se... Mais en fait, ça prend quoi comme munition? Ah, mais faut peut-être acheter la formule grenade. Grenade, munition magnum, munition mine adhésive, carreau. Ouais. Je sais pas, hein. Est-ce qu'on peut le vendre celui-là là, le... Vous pensez que ça pourrait être bien de le vendre celui-là ça, je le vendrais combien? 17 500. Bon écoutez je le vends. Parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà le TMP. Voilà. 18 000 puis après je pourrais améliorer ça à 4. Eh ben allez. Après il me reste 30 000, bah écoute je peux commencer, bah non ça sert à rien de commencer à l'améliorer en fait. Non je pense qu'on a fait un bon achat. Alors déjà on va améliorer, oh, voilà on va truc. Le Striker il est à maintenant plus de 15 munitions, c'est un truc de fou. Et c'est un fusil à pompe que j'ai jamais essayé, donc on va bien voir. Et ensuite j'ai envie de fabriquer, et bah je peux pas, il m'en faut encore. J'en ai que 3, super. Bon allez. Petit rangement, sauvegarde et on continue. Non, c'est pas ça. Là, il a plus de 15 munitions déjà de... Enfin, pas de base, mais après je l'ai quand même bien amélioré. Hein. Je l'ai boosté à fond. Enfin, pas à fond, mais je l'ai boosté, quoi. Ok, alors faut aller où maintenant? Parce que je... C'est bien gentil, mais... Ah, faut continuer par là, d'accord. Let's go. D'accord, c'était vraiment une cinématique qui servait à rien. Par contre, il y a encore ces conneries de médaille en bleu. Roquette. 5. Il y a combien de médaillons à détruire? 5. Parce que j'en ai vu un là. Bon ben oui hein, on va gaspiller des balles pour ça. Hein. Écoute visiblement. Puisqu'ils le veulent. V. Dépôt de conteneur. Oh là là, bah c'est le boss, c'est l'espèce de larve là. Je pense hein. Ou oh, non, jure. Bon, c'est quoi les médaillons? J'en ai un peu rien à foutre, donc je sais pas si... Je sais pas si j'ai envie de le faire, en fait. Mais wesh, mais tu viens d'où? Je crois que t'étais encore loin. Putain. Branleur, va. Tiens, on va pouvoir faire ça. On va attendre, du coup, parce que maintenant... Maintenant ils m'ont redonné pas mal de munitions de pistolet. Et en plus en fait c'est des munitions de fusil à pompe là qu'il me faut. Donc bon on va attendre. Tac. Petite ferraille. Bon allez hop c'est quoi. Comme ça ça sera fait. On attendra et puis on refera des munitions de on fera des munitions de fusil à pompe en temps voulu. Tu vas dégager oui. Merci bien. Tiens, un médaillon bleu là. Et toi? Ok. Elle m'a l'air ok. Ok, faut que je retourne en arrière.
parce que j'ai raté un médaillon bleu. Attends, déjà j'ai raté un loot là, non? Non? Non, c'est moi, je suis fou. Ok, c'est moi, je suis fou. Je suis en arrière parce que j'ai raté un médaillon bleu. Ah bah, il y en a un là-bas. C'est quoi, je vais pas faire genre, moi. Voilà. Tu l'as eu. Bah évidemment, tu prends pour qui? Allez, descends. Ah, oh, c'est bien, au moins on est plus obligé de la rattraper, Ashley. Enfin, je crois. Oui, hein, on est plus obligé de la rattraper. Elle sait descendre des échelles alors qu'à l'époque elle pouvait pas. Elle était même pas capable de descendre une échelle. C'est grave quand même. Hein. Là. Mais dégage! C'est encore un couteau de cuisine que j'utilise? Oui, parce que j'ai encore pas utilisé mon gros couteau. C'est mort, c'est bon? Tu bougeras pas. Putain, mais je vois rien! La luminosité, elle est pas haute dans ce jeu de base en fait. Hein. Et j'ai pas envie de la modifier parce que. J'aime pas modifier la luminosité dans les jeux vidéo. Je le fais jamais. C'est comme, vous allez me prendre pour un fou, mais les FOV je les change jamais. Je joue avec la FOV de base alors que tout le monde me dit oui, la FOV des fois faut la changer. Mais moi je vois pas l'intérêt de la changer en fait. Donc c'est pour ça que je me regarde toujours celle de base. Ouais, je sais, ça paraît un peu bizarre, mais bon. Alors où est le dernier médaillon? Il est pas à cet étage là. Ah, il est là-haut. On peut l'avoir comme ça. Pensez. Évidemment. Dans ce médaillon complété, très bien. Ça je prends. Comment ça, fais attention, toi, fais attention. Moi je suis armé au moins. Petit mélange. Voilà. Ouais. Si tu veux. Eh bah d'accord, et tu me dis fais attention. C'est toi qui dois faire attention hein. C'est moi qui dois faire attention à toi, c'est pas pareil. Bref, oh, on va essayer le striker. Hop. Oh là 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 là, ça me paraît bizarre ça. Je croyais qu'il était plus puissant. J'en ai 12 ou pas? Carré. Putain, mais il a combien de balles celui-là? Striker, examiné. Tu peux porter 21 balles. Ok. C'est énorme. Ok. Bon. D'accord. Je pense qu'il faut aller à l'étage. Là, il y a une porte. La porte. Je ferme pas la porte. C'est moi, la porte. Ok, balle de pistolet, je prends. Très bien. Ah. Ordre. Donc, à mon avis, il faut ordre. Tu bouges pas, hein. Don't move. Ça c'est comme à l'époque où Léon il faisait wait, follow me, wait, wait, follow me. C'était très drôle d'ailleurs. Pourquoi ils ont pas mis ça dans le jeu? C'est triste. Alors, la porte de derrière moi est censée être coincée, mais je peux la décoincer, je suppose. Je peux? Oui, je peux. Bien évidemment. Parce que je suis trop fort. Oh non, mais va te faire foutre. Si je prends un game over là-dessus, oulala, ça va m'énerver. Attends une seconde, il est où? Mais c'est où? Pourquoi? Pourquoi? S'il vous plaît, pourquoi? Je comprends pas. Ils sont partis par où? Ashley capturé. Si un ennemi capture Ashley et parvient à s'échapper avec elle, c'est le game over.
Oh, c'était comme ça déjà à l'époque, donc c'est bon, on a l'habitude. Sauver Ashley avant que la jauge située en bas à droite de l'écran soit complétée et épuisée. J'avais remarqué, mais j'ai pas compris le principe. Be careful. Mais c'est bon, je vais careful, t'inquiète. Hein. Putain, c'était une herbe rouge tout à l'heure, bande de pute. C'est énervant ça. Allez, dégagez! Toi, tu vas te dégager. Toi aussi, dégage. On charge un coup. Ton pied de biche là. Tu peux te le mettre où je pense, ton pied de biche. Voilà, on est bon. Ça va pour toi? Ok. Putain, c'était une herbe rouge tout à l'heure. Hein. Ils se font pas chier quand même. Hein. Tac. Ouais, tu me ranges un peu mieux que ça, non? Bon, les trois herbes, elles sont un peu séparées. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, c'est fermé. Nickel, on est à pile 21. Tac. Munition de fusil, poudre noire. Alors, ordre. Je peux enjamber là? Ouais, nickel. Faut se dépêcher. Ah mais je peux l'appeler. D'accord. On est bon. J'avais pas vu que je pouvais l'appeler. Tu dégages. Tac. Voilà. Dégagez, merci bien. Merci, bonsoir. Non, c'est terminé, bonsoir, pardon. Tac. Bah nickel ça. On est bon. Eh, suis-moi. Ok. Mais ta gueule Ouais, encore faut-il que je sache viser. Ça pourrait être bien. C'est un bon plan de savoir viser aussi, hein. Non, l'enculé. Ashley, bouge. T'es encore vivant? T'es encore vivant? Bah oui, visiblement. Mais je le vois pas aussi, je sais pas sur quoi je tire. Attends, on va d'abord. Non mais, hé. Faut combien de balles pour Merci. Toi dégage. C'est nul. Non, j'ai pas tiré sur la chaîne, j'espère. Putain, mais c'est un truc de fou ça. Mais pourquoi ils ont foutu un friendly fire sur Ashley? C'est chiant de TK Ashley, franchement. Déjà à l'époque c'était casse-couille, alors là c'est encore plus casse-couille. Putain, chier. On reprend d'où? Mais nique ta mère Il me saoule ce jeu. Oh, vous savez quoi, vous m'avez cassé les couilles. J'ai combien de grenades? 8, ok, bah nique ta mère. En fait, voilà, au revoir. Voilà. Allez, hop. Ça m'a cassé les couilles. Oh, c'est énervant tout ça. Donc lui il sort son parasite, d'accord. Ok, si tu veux, sort ton plagas, je m'en bats les couilles. On va relever Ashley. Toi, on te termine. Mais putain de... Il m'énerve. Ok. Ça joue comme ça. Bande de pute. Allez, lève-toi. Anytime.
Ok, j'ai plus de balles de fusil à pompe, super. J'ai pas encore tout ce qu'il me faut, donc on va rechercher des poudres noires. Par contre, ouais, c'est nul parce que je TK sans faire exprès Ashley, puis il me refoutent super lent, quoi. Ça, c'est pas cool. C'est pas incroyablement sympa, quoi. C'est... connard. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Alors, hop. Herbe verte, très bien, je prends. Poudre noire, je prends. C'est bon, j'ai assez pour fabriquer ça. Oui, très bien. Alors, le striker, on le recharge. Ça fait pas 21, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Ordre. Voilà, en jambe. F. C'est pas E, c'est F, c'est chiant. Alors, on déverrouille la porte. Il y a du monde qui arrive, c'est très bien. Si vous voulez, ça vous fait plaisir, venez. Moi, je vous attends de pied ferme. Et puis, il y en a qui sont déjà en train de le prendre. Alors, toi, tu vas te casser tout de suite. Non, te baisse pas. Ok, on est bon si t'es, si t'es fine. Attends, bouge, merci. Tac. Et à l'époque. Comment ça à l'époque? À l'étage, pardon. Pourquoi j'ai à l'époque? Oui, parce que j'ai trop l'habitude de dire à l'époque dans le jeu, il y avait machin, machin. Oui, non, à l'étage, pardon. Et à l'étage, il n'y avait rien du coup. Bon, tu vas te calmer tout de suite, toi. Voilà. Je perds pas mon temps. Là, c'est pareil. T'es mort. Moi du loot, voilà, merci. Je vois pas sur quoi je tire, j'essaie au maximum de faire au mieux. Oh non, c'est pas le... Attends, c'est le parasite araignée. Ouais, c'est le parasite araignée, donc là je le... Ça va être compliqué parce que je le vois pas. Ashley qui doit être sourde parce que vu les tirs qu'elle se... Ouh là là, ça fait mal ça. Ça doit faire mal. Voilà. Nickel. J'ai une herbe rouge en plus. À niveau 100, on est bien. Ouais, tiens, oui, prends ça. Ça m'évitera d'utiliser soit une herbe ou soit un mélange d'herbes, donc c'est très bien. On va continuer encore un peu. Bah j'arrive, mais je suis tombé à cause de certains paramètres. Reste où t'es. Ah mais t'es là. Elle s'est téléportée, non? On est bien d'accord qu'elle s'est téléportée. Allez, on avance. Donc là, c'est rien d'y aller parce que ça fait juste retomber en bas. Et là, ok, très bien. Pourrais-je avoir une sauvegarde, s'il vous plaît? Bon, je pense que je vais aller me faire foutre. Je sais pas combien de temps fera cet épisode, mais bon, c'est un épisode bonus un peu plus long. Donc, bon, c'est très bien. Oh là! Non, non, putain, pas toi. C'est pas ça que je voulais faire. De toute façon, elle a pas le choix de tenir le coup. Hein. Faut bien passer par là pour sortir d'ici. Bon, je suppose qu'on va rencontrer des gros pavots. Oh, une émeraude! C'est carré ça. Alors, hop, sertir. Hop. Nickel. Ah, il y a aussi le bracelet là que j'ai pas. Ok, très bien. Ah, d'accord. J'ai compris. On revient là. Alors. Ordre.
C'est bon? Non, ok, je viens de capter. C'est pas très compliqué. Ouais, nickel. Il faut compter qu'au moment où j'appuie sur F, il y a un temps de latence. Donc, une spinelle, très bien. Est-ce qu'on a bientôt un vendeur par hasard? Je pense pas. Hein. Ah, tu peux la cacher là-dedans. Ouais, non, à mon avis, si tu peux la cacher, c'est que la séquence, elle est pas terminée. Hein. Ok, attends, tu sais quoi? Viens voir par là, je l'ai. Mais arrête de le chercher! Là, je cache là. Oh putain! J'avais pas vu que c'était un régénérateur. Amène-toi. Ah, il a 3 parasites sur lui maintenant. Mais putain! Arrête de bouger! Je vois rien. Je vois rien! Pas où il est, ça m'énerve. Allez, t'es mort. Va chercher la merde avec moi. Donne-moi ton loot. Quoi? Il se passe quoi? Oh, c'est un pic. T'es pas mort. Je t'ai pas eu. J'ai pas eu ton parasite. Fous-toi de ma gueule. C'est bon, je l'ai eu là. Ah ouais, maintenant quand t'exploses tu fais des dégâts? Mais t'es une merde. Oh nickel, on va pouvoir le sortir lui. Il vaut combien? Oh, 73 600. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est même bien. Tiens, tiens. Non, I'm good. Il faisait pas ça à l'époque, les régénérateurs à pic, hein. Quand t'exposais, il te faisait pas de dégâts en plus cette phase. C'est nouveau ça. Ok, ça va être compliqué là. On est carré. Il fallait vraiment cliquer. Vu qu'il y a une latence entre le moment où j'appuie sur F et le moment où elle appuie, il y a une latence, donc il faut vraiment prendre en compte beaucoup de choses. On est dans les égouts là, déjà maintenant. Bon bah écoute hein. Puis j'ai pas l'impression qu'il y ait de sauvegarde. C'est faire quoi si je prends charger une partie auto 15h16, il est 15h17. Fais voir auto, ça mène où? Je pense que c'est pas très loin. Oui non, je pense qu'il y a aucune c'est vraiment pas très loin. C'est où? Oui, c'est là. Ah bah très bien. Eh bah les amis, on s'arrête là pour cet épisode de Resident Evil 4. J'espère que ça vous aura plu. Ça peut plus. Et bien à la prochaine. Vous connaissez la chanson. On se dit à la prochaine pour une vidéo. C'était Commandant Rétro. Bye tout le monde.